بسم الله وكفى وسلام على عباد الذين اصطفى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم اشرح صدورنا لدينك الحنيف واجعلنا من أوليائك الصالحين يا رب العالمين، آمين. أما بعد، aujourd'hui nous allons jeter un coup d'œil rapide sur certains versets du chapitre Al-A'raf. C'est une zone qui entre le paradis et la géhenne, c'est-à-dire l'enfer. Ou bien c'est l'enceinte du paradis. Dieu dit dans le verset 194: إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين ألهم أرجل يمشون بها أم لهم أيد يبطشون بها أم لهم أعين يبصرون بها أم لهم آذان يسمعون بها قل ادعوا شركاءكم ثم كيدون فلا تنذرون إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين والذين تدعون من دونه لا يستطيعون نصركم ولا أنفسهم ينصرون صدق الله العظيم. ثم يا ربي سبحانه وتعالى يتحدث عن الكفار، مش على من عبد من طرف الكفار أي المشركين والمنافقين. ربي سبحانه وتعالى يقول إن الذين تدعون من دون الله، الله يتكلم، صاحب الحق يتكلم ويتكلم بالحق، يخاطب المشركين والواهمين والضالين والذين يعانون من كل أنواع الأمراض النفسية والقلبية خاصة الهذيانات. يقول ربي إن الذين تدعون، يا شرق يا غرب، تدعون سوى الله ما شئتم أن تدعوا وتسمونهم كيفما شاءت شياطينكم، لكن لا سبيل إلى إيجاد هؤلاء من ذكرت. إن الذين تدعون من دون الله لا حقيقة لا يمكن أن نذكر غير الله. Donc on n'a pas le droit d'invoquer quiconque à part Dieu. Le seul maître et le seul répondeur et le seul secoureur, c'est Allah. Donc إن الذين تدعون من دون الله. Donc il t'adresse à tous les Thakalai et aux différents coins du monde. Il dit que ceux que vous invoquez à côté de Dieu ne sont que des hallucinations et des choses délirées. Ce n'est pas quelque chose de concret, quelque chose qui existe. Et la ligne de Drouna Mindoun l'air. عبادنا مثلكم، c'est-à-dire ces créatures-là, ou bien sont des pures choses imaginaires, ou bien des choses qui sont palpables et visibles, mais ils n'ont rien de caractéristique divine. C'est-à-dire, ils sont des créatures, ni plus ni moins. Elles n'ont jamais été existé avant, ils n'ont jamais existé. Oui, ils ont eu un début d'existence, que ce soit dans vos têtes ou bien dans le monde palpable, etc. Et dans la réalité, mais ce sont des pures créatures. Donc vous n'avez pas le droit de les invoquer, de vous adresser à ces créatures, parce qu'elles sont des créatures. Or, une créature, elle n'a pas la capacité de répondre à vos prières, à vos invocations. Donc, mettez ça dans votre tête, vous les Américains, vous les Anglais, les Européens, les Japonais, tout, vous êtes sur la mauvaise
voix, c'est la voix anti-Allah. Anti-Allah, anti-Allah. Donc vous êtes dans le chemin des gens qui n'auront pas de salut tant qu'ils persistent dans cette voie-là, une voie d'errance, une voie de délire. Donc vous attendez-vous à des mauvaises surprises. Donc ce sont des créatures comme vous. Donc quelque chose qui va avoir un certain temps et un certain espace, puis ça doit disparaître. Et ils n'ont pas droit de citer pour être des semblables à Dieu. Et puis Dieu, il les défie. Pardon, si vous êtes vraiment véridique, vos propos sont une pure réalité, donc invoquez ces créatures-là. Demandez leur aide, demandez leur secours, demandez leur soutien, etc. Vous n'aurez jamais une réponse. Donc vous êtes dans le délire le plus absolu. C'est pourquoi maintenant tout le monde il est contre la naissance d'un État islamique. C'est vraiment un État islamique. Et vous êtes exposé à des défaites cinglantes. Si c'est vraiment un État islamique, vous serez frappé de la part de Dieu d'une façon très violente. Et puis il y a certains signes d'échec. Les signes d'échec, c'est vous n'êtes capable que de frapper par les avions, des drones ou bien des avions de n'importe quel type. C'est, vous n'êtes pas au niveau de vous affronter aux vrais musulmans. Vous n'avez pas cette capacité-là. C'est pourquoi vous êtes dans le délire. Depuis le délire, il vous expose à cette faiblesse-là. Et à ce. Vous savez, vous ne traitez pas la chose comme il le faut. Vous la traitez d'après vos envies, maladies. Votre imaginaire pathologique. Et puis nous, les gens du Coran, nous voulons du bien pour tout le monde. Et à maintes reprises, je vous rappelle que vous êtes sur une pente glissante vers l'enfer, de l'ici-bas et de l'au-delà. Et vous persistez dans votre aveuglement et vous avez le pays cher. إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين. Ils vous répondent d'après vos vœux. C'est-à-dire, ils vont exaucer vos prières. Ils vont vous répondre, mais il n'y a jamais eu de réponse. Et vous savez bien que vous n'aurez jamais de réponse. Pourquoi vous persistez dans ce refus de cette religion salvatrice? Et puis Dieu dit que ces divinités-là, ces gros dieux-là, ils n'ont pas ce qu'il faut pour vous secourir, pour vous exaucer, etc. Ils n'ont rien. Par exemple, voilà, il dit quelque chose de très palpable. Vos divinités, est-ce qu'ils ont des pieds, des jambes pour marcher, pour se mouvoir. Alors, moi, je vous l'aime sur la bière. Est-ce qu'ils ont des mains qui vont vous servir dans leur dextérité, dans leur force frappante, etc. Vous n'avez rien de ça. Et vos dieux sont des faux dieux. Alors, je vous l'aime sur la bière. C'est pourquoi je vous dis, vous, les Occidentaux et les Orientaux, Vous êtes voué à l'échec le plus écrasant et le plus affligeant et le plus déprimant. Alors, Marjouniam Chourabia, Amlaum Aïdiniam Chourabia, Amlaum Aïdiniam Chourabia, vous avez maintenant les moyens de détecter n'importe quoi, quelle soit sa dimension, quels soient ses repères, mais ce ne sont pas des choses qui peuvent prendre la place des yeux de vos divinités. Donc même si vous avez changé de tactique, vous êtes toujours voué à l'échec. Am laum ayun yusma'una biha, am laum adhanun yusma'una biha,
la même chose, les oreilles, l'audition, etc. Vous avez des capteurs, vous avez beaucoup de choses, mais vous n'avez pas une ou plusieurs divinités qui ont tout ça. Donc vous êtes vraiment éparpillé, vous êtes vraiment dans le dans la faiblesse la plus totale. C'est flagrant que vous êtes faible. Pourquoi vous déclarez la guerre à un État musulman que Dieu a voulu qu'il doit venir? S'il y a un avènement de cet État-là, vous ne pourrez jamais, comment dirais-je, l'éviter ou l'amoindrir ou être vainqueur contre lui. Jamais d'avis. Donc vous les leaders, vous les militaires, sachez bien que vous êtes vraiment, c'est-à-dire, devant la porte de votre fin. Voilà. Alors, moi, je me souviens bien. Ce n'est pas les Turcs qui vont vous aider, ce n'est pas les faux musulmans arabes ou non arabes qui vont vous aider, jamais d'avis. Mais par contre, les vrais musulmans partout dans le monde vont vous frapper d'une façon violente et d'une façon inopinée. Et vous allez le payer chèrement dans tous vos établissements, toutes vos armées, qu'elles soient à découvert ou occultes, seront mises à genoux. Ça, c'est Dieu qui l'a promis, et jamais Dieu il honore toujours ses promesses. Alors, Arjun Yamchunabia, Amlam Aydin Yamchunabia, Amlam Ayunun Yamchunabia, Amlam Adan Yasmaunabia, Colombia Shuraka, comme Tomakidouni Balakano. Et puis, Dieu termine ce verset-là par quelque chose qui est défiant. Il dit, on odeur sur la carte comme d'homme. Appelez vos associés, vos forces de divinité, et puis, tous ensemble, complotez contre moi. Vous ne pouvez rien faire. Nous, il fallait tomber. Non, ne menacez jamais de délai. Faites vite. Mais ce que vous allez faire vite, c'est contre vous, vos intérêts, votre existence même, et vos libertés. Et Nawali Allah, voilà le verset qui suit, il est plus fort. Et Nawali Allah, c'est-à-dire mon secours, mon défenseur, mon maître, et Nawali Allah, l'Ali Nasser, c'est lui qui a fait descendre ce Coran-là, ou bien toutes les écritures célestes. إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين صدير لوي كي لو بروتيكتور لو سكورور دي جون دو بيان دي جون جوست والذين تدعون من دون الله إلى ربون لزيدي دي فيرسي أنتيريور يقول والذين تدعون من دون الله يستطيعون نصركم ولا أنفسهم ينصرون وهيك ils ne peuvent ni vous secourir ni se secourir. Vous voyez que votre chemin, il est fermé. C'est plus fort et plus dangereux, plus désastreux qu'une impasse. وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ لَا يَسْتَطِعُونَ نَصْرَكُمْ وَلَا أَنْفُسَهُمْ يَنْصُرُونَ. Parce que Dieu qui parle, il sait qu'il est le seul qui veut, qui peut et qui dirige tous les mécanismes et tous les événements. C'est sous la volonté divine, c'est sous sa puissance, sa toute puissance. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.